une question qui préoccupe beaucoup, beaucoup de formateurs en ligne et c'est normal, surtout si vous êtes débutant, cette vidéo va répondre à la question de comment tarifer nos formations en ligne. Donc, si vous êtes au début, c'est la première formation en ligne, vous posez la question, ben voilà, est-ce que je dois le faire à 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 500 euros? Bref, la fourchette est tellement large que cette vidéo va vous donner quelques éléments et à vous de l'adapter à votre situation. Okay, je vais vous donner trois pistes à vous de partir avec et de faire de votre mieux pour trouver la bonne formule si elle existe d'ailleurs. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de problème, je vous le dis tout de suite, à vous planter la première fois, même la deuxième fois, parce que vous pouvez ajuster, vous êtes sur Internet, c'est pas comme si vous imprimez le tarif de votre produit sur des boîtes en carton et que vous avez un conteneur de 1000 produits, là vous ne pouvez plus changer. Non, on est sur Internet, on peut changer les choses, donc tranquille, surtout, ça peut vous tracasser, mais allez-y tranquille. Alors, les trois points sont les suivants. Premier point, c'est combien ça vous coûte à produire. Si votre formation vous coûte en matériel 500 euros, 1000 euros, vous avez une équipe de tournage, évidemment, va falloir la vendre plus cher que si vous faites ça au smartphone, dans votre chambre, tranquillement, avec un peu de lumière. Okay? Il y a le coût en argent, mais il y a aussi le coût en temps. Si vous mettez une journée à faire la formation ou un mois entier à faire la formation, entendu dans le sens un mois intensif, hein, parce que si on travaille 10 minutes par jour, c'est pas la même chose. Mais voilà, combien de temps vous allez mettre? Parce que votre temps, c'est de l'argent. Donc, prenez ça en compte. Okay? Et donc, ça, c'est vraiment la technique la plus simple pour attaquer la question. Combien ça vous coûte pour que quand vous mettez un prix à cette formation, vous en vendiez suffisamment pour que vous rentabilisez votre temps et votre argent. Mais on va aller un peu plus loin. Et ça va être même le point le plus intéressant, c'est votre formation. Quel résultat il apporte à vos clients? Quelqu'un qui achète la formation et qui suit tout de A à Z, est-ce qu'elle va obtenir un résultat qui va transformer sa vie ou ça va juste lui apporter un petit truc en plus? Par exemple, si c'est une formation sur comment augmenter votre salaire ou négocier votre salaire ou trouver un job, ça a un haut retour sur investissement. Okay? Ça permet à quelqu'un d'être qui est au RSA de gagner 2000 euros par mois, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important. Plus votre résultat est important, plus va falloir, vous pourrez facturer cher. Par contre, si c'est une vidéo pour apprendre les gens à tricoter et que ce n'est pas si essentiel que ça, sauf peut-être pour quelques personnes dans le monde, là, ça va être dur de vendre ça à 1000 euros, vous comprenez bien. Okay? Donc, on a vu le coût en temps et en argent, on a vu le bénéfice, le résultat attendu pour le client. Et troisième point très, très important, c'est à quel public vous adressez. Et c'est là que tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du chômeur qui cherche un travail. Donc, pour lui, le résultat attendu, il est énorme. Okay? Donc, vous dites, ok, je peux vendre une formation en 2000 euros parce que si je l'aide à trouver un job, ça peut lui rapporter 2000 euros en seulement un mois. Sauf que si votre public n'a pas d'argent ou a très peu d'argent ou un très peu budget, même si le retour sur investissement est élevé, ça va être compliqué. Donc, c'est pas pareil si vous faites une formation pour aider un étudiant, par exemple, à trouver son premier job ou un job d'été, ou si vous aidez un cadre senior, un cadre qui a 50 ans, à trouver un job. Parce que lui, il y a des chances qu'il a beaucoup plus d'économies. Et donc, vous pourrez vendre plus cher à cette personne. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas juste, je vends la même formation, le même produit à des tarifs différents, alors que c'est à peu près la même chose. Vous avez en partie raison, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous savez, c'est comme quand on fait, par exemple, si vous allez en Chine et que vous êtes un étranger et que ça se voit sur votre visage, moi ça s'entend à ma voix de toute façon parce que je ne parle pas très bien chinois, on va vous vendre à un autre prix que si vous êtes un local. Donc, ça peut vous paraître injuste, mais il y a une vérité qu'il faut garder en tête, c'est que les gens, quand ils achètent, ils ont besoin d'être rassurés et que l'achat corresponde à leur statut social, à leurs habitudes. Exemple, si vous vendez une Porsche à un millionnaire, cette Porsche, elle est en promotion, elle est à 20 000 euros. La même voiture, vous la vendez à 200 000 euros. Donc, 20 000 euros, 200 000 euros.
le millionnaire, quelle voiture il va choisir? Alors évidemment, si c'est exactement que c'est la même voiture, il va choisir celle qui coûte moins cher. Mais vous comprenez l'idée, c'est que moi, si j'ai une stature de millionnaire, je ne veux pas acheter un truc pas cher, même si c'est de bonne qualité. Et en réalité, quand vous allez fixer un tarif plus élevé, vous allez être aussi plus exigeant avec vos clients. C'est-à-dire que si vous faites une formation pour trouver un job pour un senior de 50 ans, vous la vendez 500 euros, bah vous allez être beaucoup plus impliqué et apporter beaucoup plus de résultats que si vous vendez la même formation à peu près à 50 euros aux étudiants. Parce que vous sentez beaucoup plus responsable. Donc, ne culpabilisez pas de vendre plus cher parce qu'en réalité, votre service va augmenter aussi. Vous n'allez pas juste vendre des vidéos. Vous allez vraiment vendre un accompagnement parce que vous allez vous adresser à une clientèle beaucoup plus élevée. Moi, j'ai raconté une fois une histoire de… Il y a un client qui cherchait un prestataire. Il y avait le choix entre moi et une autre personne. Et elle m'a dit qu'elle ne m'a pas choisi parce que je n'étais pas assez cher. Okay, elle ne m'a pas dit exactement ça, comme ça. Mais en gros, ce qu'elle disait, c'est que l'autre personne proposait plus et plus cher. Et moi, je proposais moins et moins cher. Et la personne, le client en question, voulait du qualitatif et cher. Il ne voulait pas du pas cher, moyennement qualitatif. Il ne cherchait pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. Il cherchait du haut de gamme, du luxe, quoi. Et donc, mon devis n'est pas passé. Okay, voilà, j'espère que ça vous fait réfléchir. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez continuer à vous former sur cette question de comment fixer le tarif et voir notamment aussi comment trouver une thématique rentable, comment créer sa formation, comment vendre sa formation, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous où je vous parle du programme Passion Formation, un programme qui vous aide de A à Z à créer votre formation en ligne et à la vendre à partir de rien du tout. Vous venez avec une idée qui correspond plus ou moins à une passion et une expertise, évidemment, une envie d'aider les gens sincèrement. Et puis moi, je vous donne tout ce qu'il faut à faire de A à Z pour que vous puissiez atteindre le résultat que vous attendiez. Donc, si vous êtes intéressé, lien en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt et bon courage pour votre formation. Si vous la lancez, n'hésitez pas à mettre le lien vers cette formation en commentaire et j'irai jeter un coup d'œil.